Et c'est comme ça qu'on se retrouvait devant la cheminée. Le ventre échessué entre les délicieux oiseaux en or, gras des vendanges. On refaisait le match. On enseignait Camillotte. Il était attentif comme un écolier. Eh oh, eh oh, eh oh, il ponctuait. En avésinant les complexités de ce jeu, comme un avare qui range sa cassette. Des fois, curieusement, il se mettait à gueuler. Pampas culot ! On va pas reculer. Cette vocifération, on l'entendait souvent en bord de touche. C'est le Camillotte qui nous l'a lancé, comme une bouée, alors qu'on prenait l'eau de tous les côtés de la mêlée. Alors, les soirs de défaite, comme ce soir-là, d'une voix un peu solennelle au bistrot et aux deux, trois petits jeunes qui traînaient encore. Il nous avait dit cette phrase sublime, une des plus belles qu'il nous sera donné d'entendre. Mascarene Salustau, Bamminga. Vous n'avez qu'à venir à la maison, on va manger quelques grives. On l'a pas dérangé non plus, le vieux. Un copain avait amené une cassette. On a écouté les passantes. On a chialé. Depuis la tombe, au loin, on voyait les poteaux de rubis. Supporter de l'équipe de Grignols et qui lui aussi était un personnage haut en couleur, une espèce de colosse qui avait jamais joué mais qui adorait le rugby plus que tout et qui suivait les petits jeunes et qui les a aidés. Ça, on le retrouve tous dans nos villages, ça, on connaît ces personnages. Ils sont magnifiquement décrits avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect et d'amour, mais sans concession. Tant qu'on me proposait de monter les histoires de rugby d'Espagnier, moi je réfléchissais, je disais mais c'est peut-être aussi une occasion de baigner ces textes, des musiques qui vont avec. Parce que les musiques du rugby, les musiques des ferias, les musiques des corridas, des courses de vaches, c'est des musiques de bandas, sont faites de passacaliers, de passodobles et de... Et donc j'ai écrit des passacaliers, des passodobles, j'ai écrit des choses qui sont d'inspiration un peu andalouse. Tout ce qui nous vient là, toute cette culture qui nous vient un peu d'Espagne, fait même beaucoup d'Espagne, qui baigne le Pays Basque, tout le sud de la Gascogne.
Si bien que Jean Le Cap de Vielle continue à se mordre les lèvres aux réceptions de l'après-match pour faire semblant de penser. N'était-il pas un penseur de rugby? Un adepte des Bruns, Conquis et autres vilepreux? Et de plus, ça avait vraiment été un méchant. Son casier à la commission de discipline, si par impossible on l'avait exhumé, l'aurait prouvé aisément. Intello et Mulet, éducateur et vicelard, technicien et tricheur, voilà bien le mélange qui plaisait et lui donnait une indubitable autorité. Alors, au bord du mousseux, au milieu du respect des cravatés suspendus à ses lèvres, il s'était permis une nouvelle fois de lancer au président. Mais tu te rappelles quand tu jouais, toi, Jeannot? Alors l'autre, ça lui faisait toujours le même effet. Il rougissait, il s'énervait, bégayait, il gueulait un peu. Ouais, justement, quand je jouais. Et c'était reparti pour un petit tour de mensonge. Jojo, c'est l'entraîneur, c'est l'enfer, c'est le pire, c'est le salopard, quoi. Pour moi, elle était un mystère. Depuis des années. Depuis que je la croisais partout, de Cardiff à Auckland, de Bayonne à Durban, de Vic-Fezensac à Pampelune. Le rugby, la fête et les taureaux semblaient être son univers, un univers d'un dilettantisme aisé dont personne ne connaissait les ressources. Parce que, je l'avais remarqué de suite, elle n'hésitait jamais à remettre sa tournée. Un bon signe, qui ne trompe pas. Dans ces milieux et ces circonstances où les jolies filles ont du mal à mettre la main à la poche. C'est plutôt l'exclusivité des braguettes, selon l'expression consacrée. Avec leur hargne, leur bonté, leur gentillesse, leur colère. C'est une peinture des hommes dans ce milieu-là, dans ces circonstances-là. Tout ça par la grâce d'une jeune fille simple. Simplement simple. Presque canonisé, cette vierge qui peinte. Comme avait dit l'international Goguenard, qui s'y était cassé les dents de la drague. Ah, je l'avais suivi comme un témoin lointain et vaguement intéressé. Oh, une fois pour toutes, j'avais mis mes rêves de conquête au placard. Elle ne serait jamais à moi, comme elle n'était à personne. Et au fait, Isabelle, t'as des nouvelles? J'avais lancé ça un peu au hasard, un peu trouillard, craignant je ne sais quoi, imaginant dans le pire, genre pharmacienne dans le Gers. Isabelle. Une pute. L'après-midi, j'ai trouvé les taureaux de Frail encore plus ficelards que d'habitude.